Seb parcourt aux petits oignons avec Eric. Ouais, le cheval, j'ai dit, était super bien tout à l'heure. On a changé 2-3 trucs. Et puis il répète un peu la course d'engain quand on est débattu par Bird Parker. Et le cheval, je pense qu'on a gagné par rapport à l'attaque de Jean-Michel en face. Ça a un peu émoussé Bird Parker et puis on vient le cueillir pour finir. Et il a quoi comme qualité ce cheval-là? Il démarre super bien et c'est un sprinter? Ouais, sprinter, il est très dur à l'effort, il faut un dos quand même. Mais monter pour aller devant sur, avec le bonnet fermé pour aller devant, et c'est un cheval qui est tout terrain quoi. Il ne te surprend pas du tout aujourd'hui? Non, c'est un cheval de la maison, il est très très bien travaillé. Johan Bird deuxième, est-ce que Brutus de Bailly te coûte la course en montant? Ouais, il me coûte pas, oui, ça m'a pas arrangé. Après, coûte la course, non, je suis pas obligé de le contrer. Hein. C'est comme ça, voilà. Après, oui, c'est sûr que s'il avance pas, je pense qu'on aurait gagné, mais c'est comme ça, c'est les courses. Et ce qui t'a plu aujourd'hui? Parce que finalement, il fait une super valeur, il est battu par un sprinter. Oui, voilà. On a fait le boulot pour l'autre encore. C'est un peu chiant. Non, mais c'est comme ça. Il fait une bonne course, il est bien, il a 3 courses à courir. On fera peut-être un peu différemment le prochain coup. Il a pris beaucoup de vitesse, on pourra peut-être venir un peu de derrière, pas faire le boulot quoi, pour les autres. Voilà, c'est tout. On verra. Fred, troisième, c'est une bonne performance de la part de ton cheval? Ouais, le cheval, il répète la course d'Enghien. Et il finit bien. Non, une course qui n'a pas été très rythmée au début. Mais il finit bien, il court bien. Ouais. Après le poteau, enfin, aux balances, Franck disait qu'en lui baissant les œillères, il avait quand même donné un petit coup de rein sympa. Ouais, je sais pas s'il réagit pas mieux au débouche-oreille maintenant, après coup, à regarder comme ça. Mais bon, le cheval, il est troisième. Les deux premiers avaient fait le trou. Il fait sa course, il finit bien, il fait sa course. Ce sera mieux sur 2007? Ouais, je suis pas sûr. À chaque fois qu'il a couru 2007, j'ai toujours trouvé qu'il coinçait un peu pour finir. C'est pas parce qu'il est grand qu'il va aller sur 2007. Non.